Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour un nouveau petit jeu. Qui s'appelle Horror Plant. Ou la plante de l'horreur. Pourquoi venir sur un petit jeu comme ça alors que je pourrais le garder pour Halloween, n'importe quand? Parce que je trouve ça fun et en plus ça me rappelle beaucoup le film The Little Shop of Horror. En français, c'est la petite boutique des horreurs, voilà, avec Nick Moranis et la plante Audrey 2. Qui est un gros dégueulasse venu de l'espace. Alors, utiliser la mousse, la souris pour activer des objets. Ok, donc on peut activer ça, ça ici. Ok, donc on commence là. Ça me paraît très fort, je vais voir un truc. Pourtant, bon, je vais le baisser encore un tout petit peu. Et je vais baisser mon casque à moi, comme ça je l'entendrai beaucoup moins. J'espère que vous entendez quand même ma voix. Normalement, oui. Hein, mais bon. Donc on va. Il n'y a rien d'autre. La porte, peut-être. Non, là. Il y avait ça qu'on. Donc voilà. On est. Une plante qui est un gros dégueulasse venu de l'espace, un enfoiré. Et je déconne pas, c'est dans le film. C'est la chanson. Alors je peux interagir avec ça. Avec ça. Avec la clé. Avec ça. Ok, ça s'ouvre. Il y a du coton. Bon, je suppose que c'est avec ça. C'est bon. Et ça, c'est une allumette. Ah bah c'est parfait. On va foutre le feu au gars. Ah d'accord, c'était pour le distraire. Ah, j'aime bien, on dirait que le son est enregistré par quelqu'un. Qui était pas chez lui, qui était chez sa mère ou ça. Et avec la porte ouverte, donc il a fait. Ah. Oh là, on a bon appétit. Ok, ça a fait une petite bouboule. Oh, des fleurs. C'est pas mal. Bon, c'est un jeu assez basique, hein. Vous connaissez tous. Ok, on est là. Bon bah la scie, des câbles. Bon là évidemment on ne peut pas y aller à cause de ce truc. Ok. Il y a un truc caché derrière là. Et ah c'est des fuses, comment, je sais pas comment on dit en français malheureusement. J'en oublie mes bonnes manies, enfin j'en oublie mon français. Bon bah il a pris l'os. Faut faire monter la plante. Ah non. J'ai rien loupé. C'est bon. C'est une cinématique, ça veut dire que ça avance. Oh mon Dieu, quelle ébauche. On dirait la femme au nouveau président français. La femme à Macron quand elle était jeune. Oh, une araignée. Bon ben apparemment l'araignée peut avoir la tête. Ce qui est très flippant quand on y pense que l'araignée peut avoir la tête. Ça fait une autre bouboule. En tout cas là, ça. En fait, si... il faudrait que je vous parle peut-être de The Little Shop of Horror. Donc on dirait que ce nain a une collection de chenilles. Bon, je peux cliquer sur moi, sur un caillou, sur ce je sais pas quoi. On dirait le. Non.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est une bite de marmotte. C'est très rare en cette saison. Non. Les fleurs, ça me paraît... Ah, d'accord. Faut bien se mettre dessus. Parce que ça me paraissait assez évident quand même, les fleurs. Ah, peut-être l'insecte, là. Non, en tout cas, voilà. Ah, je comprends. Voilà, il me semblait bien. Ça va faire tomber les trucs. Il faut qu'ils viennent et qu'ils trébuchent. Ah non. On dirait que le son a été fait à 2h du matin par un gars qui avait ses parents qui dormaient juste dans la chambre juste à côté. Oh. On a libéré les vers. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça, plante carnivore? Ça, ah, d'accord, c'est relié à ça. Ah, ici. Il n'a pas l'air très content. Et il met des choux. La menthe religieuse. Ah, le miracle de la vie. Je peux rien faire, je peux même pas... Il est endormi, je peux pas sauter dessus, le bouffer, puis aller derrière lui. Faut automatiquement faire un truc, comment... je peux toujours cliquer sur lui pour qu'il ramasse de la merde. Il ramasse des choux, donne-les la cloche. Ah, fallait que j'attende que... Le papillon... Faut que j'attende que le papillon vienne près. Faut pas retirer ça pour que le piaf, je sais pas, s'envole. Ça n'aura servi à rien, je suis toujours là pourtant. Oh. Bouffle. Allez Audrey 2, bouffle. Oh, il a bu ses intestins. Il a bu le liquide qui était en lui, maintenant il le mange complètement. Et j'ai libéré l'oiseau. Faut attendre une cinématique, je suppose, voilà. On a eu droit à la tête, il est gentil cet oiseau. Oh. Ok. Oh. Bon bah ça c'est bon. Fleur. Un os. Et ça c'est une libellule, mais ça c'est une aile de libellule, je crois. Quoi, il faut que je le boive ou il faut que... Ah, il fallait que je le boive. Ah d'accord, c'est tombé là. Oh, mais c'est exactement comme la fin de la petite boutique des horreurs. Quand les plantes carnivores géantes ont envahi le monde. Ah, à suivre. Oh!
On dirait que mes plantes sont ouvertes et mes graines vont se propager. Oh, le 2 va être intéressant. Mais bon, le 2, on le fera plus tard. Replay Lacine, pourquoi? Quoi, il y avait moyen que... Ah, d'accord. Peut-être mettre des yeux, non? Ah, peut-être ça, d'accord. Peut-être que si je la fais boire, elle, il va se passer quelque chose. D'accord. Donc, il y a deux fins. Il y a la bonne fin, évidemment, et il y a la mauvaise fin. Un peu comme dans... Allez, c'est un des jeux que j'ai joué à Halloween. Celui avec le... La créature qui... Comment... Ça, vous l'avez vu, on y a joué ensemble. Et à la fin, on se retrouve avec une femme qui veut... Enfin, on se retrouve à devoir tuer quelqu'un et on a plein de possibilités et on doit faire des combinaisons. Ou alors celui où il y a le monstre qui est dans la salle de bain. Là, ça fait plus à manger du coup. Ah non, elle nous a tués. Mais du coup, la scène finale reste la même. C'est un peu comme de l'autre côté, quand il y a les flics qui rentrent dans la maison, on voit que dans le lac d'à côté, il y a genre d'autres trucs qui sont en train de remonter à la surface. Enfin, du météore, il y en a d'autres qui sortent, et du coup, que c'est pas fini. Mais là aussi, c'est pas fini. Mes graines sont toujours là. Et donc, voilà. Bon, bah, on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau let's play. Je sais pas encore à quoi je vais jouer. De toute façon, j'ai un petit peu le temps de savoir quoi. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil.